Salutations mes chatons, c'est Chicouette. On se retrouve pour un nouveau vlog qui débute le 26 mai 2023. Pourquoi je précise la date, je suis con, enfin l'année. J'étais mise au courant que une petite chatonne me ferait du coup une. Enfin, à m'envoyer un cadeau. Je vais y arriver pas. Pardon, je suis fatiguée. J'allais dire je suis dégoûtée. Non, je suis fatiguée. Un cadeau, machin. Donc j'ai accepté. En sachant la personne, je me suis un petit peu doutée de la chose. Elle m'a dit, bah, c'est un truc de la Gloria, machin, machin. Je fais, ah cool, si j'ai un produit. C'est gentil et tout. Elle me dit, c'est pas un produit. Je fais, ah. Et après, je regarde l'unboxing, je fais, d'une fille. Je fais bon, ok, je crois savoir ce qu'elle va me donner. Et bingo! J'en étais sûre. Donc, du coup, c'est Isabelle de la chaîne Press on Nail by Elsa. Oh putain, j'ai réussi à le dire. Donc, je vais vous lire quand même son petit mot. Bon, je pense que vous l'avez lu depuis le temps que je bug là. Alors, ma Beverly, j'espère que ce petit colis te fera plaisir. Je voudrais également te remercier pour ton sourire. Ta joie de vivre, c'est toujours un véritable plaisir de te retrouver à travers tes vidéos. Je t'embrasse. Gros gros bisous ainsi qu'à Twister et toute ta petite famille. Prends soin de toi. Bisous, Isabelle. Et donc, voilà. Oui, un papillon. Donc, pour ce que je vais vous faire montrer, j'ai été mise au courant. Donc, en fait, c'est du coup la carte cadeau de Mac. Enfin, dans la Gloria par rapport à Mac. Et la petite coquine, elle a mis certainement ce qu'elle a reçu. Donc le rouge à lèvres Mac, qui est de la teinte Ruby Woo. Et bah, je l'ai déjà. Donc hop, ça sera donné à ma soeur dimanche. Ouais. Puisque tout simplement, j'ai déjà reçu. Voilà. Et je voulais donner, en toute honnêteté, hein, je suis honnête avec vous là. Je voulais donner la carte cadeau à Oriane, parce que j'ai l'habitude maintenant, sauf que de la chaîne Beauty Gold. Et sauf que, bah, j'ai dit, bah merde, c'est pas parce que c'est Oriane. Mais tout simplement, je dis, bon, c'est quand même un truc qu'on m'a offert, voilà. Parce que ce qui est, moi, j'ai pas de Mac en physique à Tours, donc sur le site, c'est à partir de 40 euros d'achat, donc bon. Hein, voilà. Donc spécialement, c'est pas trop avantageux, je trouve. Après, c'est mon avis, hein. Donc j'avais décidé d'arrêter d'utiliser les cartes Mac. Et donc au cas où si j'en avais, je les donnerais à Oriane. Et Oriane, elle est au courant de ça. Sauf que bah là, on m'a offert quand même. Donc bon, je vais l'utiliser. Et je vais voir ce que je vais prendre. Mais j'ai vu des trucs. Ça coûte la peau du. Hein, la peau des fesses. Donc je verrai en fonction. Vous allez voir ça plus tard, du coup. Ce que j'ai acheté. Voilà. Donc je te remercie, ma petite Isabelle. Je m'en doutais que tu allais rajouter un petit truc en plus. Bon. Voilà. Et ça m'a touché ton petit mot. Et ça fait plaisir. Que je fasse plaisir à mon tour à vous, en fait. Voilà, ma bonne humeur. Et pourtant, bon, vous le savez, quand je suis fatiguée. Mais voilà, je suis très, très, très contente que vous soyez mort de rire quand je fais mes petites folies. Mes petites folies, pardon. Voilà. Merci à tous, en tout cas. Des bisous et merci encore, Isabelle. Et salutations mes chatons, c'est toujours Chicouette dans le vlog. Alors là on se retrouve du coup une rotation produit, enfin une rotation c'est les prochains produits à être testés, je vais y arriver à parler. Du coup là c'est les box de décembre, donc c'est la Blissim, la Glossy Box et la dernière Goodie Box. Ouais. Enfin pour moi, voilà. Après, je m'étais désabonnée. Du coup, en termes de Blissim, du coup, il n'y a que deux produits sur trois. Hein, je précise parce qu'en skincare, normalement, il était censé y avoir un troisième produit qui était la marque Solinote
c'était le beurre corporel, le gros bleu là, mais j'ai donné à ma soeur, elle était trop contente. Voilà, notamment, oula, voilà, du coup, là j'ai la marque Innisfree avec un sérum du coup hydratant aux graines de thé vert, pardon, donc sérum pour le visage. Ensuite, lui, c'est même sûr et certain, il va faire une utilisation, c'est du coup de la marque TLW, donc je me rappelle plus la marque. Oh là là, je crois qu'elle est là de toute façon. Excusez-moi. Three Little World, du coup, voilà. Et du coup, hein, c'est l'après-shampoing, hein, du coup, hein, qui va faire une utilisation, c'est même sûr et certain. C'est un truc de fou. Voilà pour l'ablissement. Ensuite, la Glossy Box, vous vous rappelez. Voilà, de décembre. Du coup, là pour le coup, il n'y avait qu'un seul produit. C'est la marque La Rosée. Du coup, c'est le gel crème hydratant au concombre bio pour peau normale à mixte jour et nuit. Voilà. Et pour du coup, la goodie book. La goodie box. La goodie book, c'est lui, dis-moi. Oh là là. Donc, nous avons 4 produits. C'est-à-dire la marque Mikura. Du coup, c'est un masque pour les yeux. La marque Ritual, c'est le savon liquide pour les mains. Enfin, il va servir. Spécialement, il va faire un peu de tout, lui. Hein. Ensuite, le 8 Gems, donc c'est le gommage pour le corps à la verveine. Et du coup, de la marque de cure, le contour des yeux. Voilà. Et ben on se retrouve plus tard, mes petits chatons, des bisous. Salutations, mes chatons, c'est toujours Chicouette, et oui. Alors, je suis arrivée, là il est 11h30, et on est le 7 juin. J'en profite que je sois toute seule pour faire le grand ménage au moins dans la chambre. Je vais peut-être retrouver mon produit, hein, qui était dans le collier Evolutherm, le truc nuit là, hein, le baume nuit, donc j'ai bien à voir. Sinon, bah tant pis, mais voilà. Après, juste après le grand ménage, ça va être mangeage et après. Mangeage. Et après. Après douche et après. Rempli. Voilà. Voilà ce petit truc. Allez, on vous retrouve juste après. On vous retrouve. Je vous retrouve peut-être après si j'ai retrouvé quelque chose. Alors, en fait, on se retrouve. On se retrouve le. Je me rappelle plus quelle journée, c'est grave. Hein. Attendez. Le 7 juin, merci, merci mon téléphone. Du coup, j'ai reçu la Splendiste, hein, de l'été de Blissim. Et du coup, j'avais fait une commande donc, qui est arrivée dans ce petit sac-là. Donc, bon. En ce moment, je suis à fond sur les bougies. Donc, j'ai pris une bougie. Et voilà, entre les bougies qui étaient chères et puis les bougies qui étaient raisonnables, voilà. Voilà, c'était un peu plus simple. Donc là, j'ai pris la bougie de Ritual of Karma. Et ouais, donc c'est aux fleurs de lotus et au thé blanc. Voilà, donc c'est le packaging quand tu reçois un coffret, le truc là, enfin le truc de la couleur, le carton de la couleur, il est tout dans la même. Comment on dit ça, bordel de cul? Dans la même texture. C'est un peu granuleux, on va dire ça comme ça. Je vais essayer de vous l'ouvrir, hein, avec une main. T'as cru que c'était facile? Voilà. Alors déjà, quand t'arrives, ça fait ça. Quand t'arrives. bon, moi. Ah, d'accord.
Oh là là, et ça, et je l'ai. 1, 1, 2, 3, 4. Je ne l'ai pas senti, mais l'odeur se propage déjà. Donc vous voyez, c'est bien. Voilà. Donc là, je vais y arriver à vous faire montrer comment ça se passe. Le flash, tu fais chier. Bon, bref, vous voyez le détail, quoi. Voilà. Putain, c'est bien gras par contre. Ok, attends, je la sens. Oh la vache, mais ça sent. Ça... La vache a fait émeu. Non mais ouais, ça sent le ritual of karma quoi. Ça m'a l'air bien gras par contre. Hein. C'est bien. Et en plus c'est très bien aussi pour regarder le verre hein, du coup. Et ça pèse son poids, hein, je vous le dis. Hein. Ça fait combien ça? Merde. Ça doit être ici. Je ne sais pas. Ça pèse 290 grammes. Ah bah oui, bah ça pèse son poids. Hein. 300 grammes, oui. Voilà. Et du coup, avec, du coup, j'ai eu le droit à un échantillon. Ah, je l'ai coché. Et du coup, tana, c'est herborien. Du tout, petite dose d'essai là. Du coup, c'est le skin therapy. Hein, voilà. Enfin, ça doit être dans la gamme skin therapy. Ou la solution pour se réveiller ou son meilleur jour chaque matin. Donc 80% des testeurs ont constaté leur peau nue transformée dès le premier réveil. Voilà, donc t'as le produit en format vente. Là, t'as la petite dose de ce qui est mignonne. Et là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah oui. Voilà. Donc voilà. Voilà ma petite commande. Hein. Voilà. Je vous laisse parce que j'ai des choses à faire. Des bisous. À la po-po-po-po prochaine. Et salutations, mes petits chatons. On se retrouve pour la dernière partie du coup. De. Du vlog, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Dernière partie du vlog. Donc je vais le conclure avec cette petite vidéo. Ah pardon, hein, je suis en mode. Et en plus, on est le 20 juin, donc voilà. Il serait peut-être temps que. Voilà, parce que je sais que je vais pas avoir de changement de produit d'aussitôt, puisque il me semble qu'il me reste. Si je dis pas deux produits, il y a le savon liquide de Ritual of Karma à finir et la crème hydratante jour et nuit de la rosée. Voilà. Donc, et puis surtout que la crème hydratante, je l'ai toujours pas ouverte. Enfin, parce que j'ai fini aujourd'hui le sérum hydratant Innisfree. Voilà. Donc bon. Voilà. Voilà le petit partage de l'avancée skincare. C'est pas grand chose ce mois-ci. Hein. Enfin, en même temps, avec les formats que j'ai, compliqué de faire. Hein, voilà, enfin, je dis rien parce qu'après, ça serait de la triche pour le petit jeu des produits terminés, n'est-ce pas? Voilà. Donc, alors j'étais à Stokomani. Donc, c'est un haul Stokomani dans le blog. Du coup. D'ailleurs, je viens de poster juste avant de faire la fin du vlog le haul Vinted, du coup, mon premier haul Vinted. Voilà. Petite dédicace à toi, Gabi, de la chaîne La boîte à Gabi. Voilà. Et celui de. Je vais y aller, mais. Hein. Et celui de Oriane, donc Beauty Gold, arrive. Certainement demain. Je pense qu'il va arriver demain. Demain, mais après c'est jusqu'au 22. Donc, soit demain le jour de l'été, soit jeudi. Voilà. Sous les pieds, c'est chaud. Pardon, j'ai en tête cette chanson. Je vais vite, je m'entraîne à pas perdre une seconde. Je vais vite, mais je freine quand je vois que tu tombes. Faut que
Bref, on va commencer. Bon, ça va pas du tout. Ça va vous étonner. J'ai bugué ma phrase, j'ai un peu spoilé, mais c'est pas grave. Vous allez être étonné de ce que j'ai acheté. Mais bon, bah écoutez, c'est une marque que je ne connais pas du tout. Oui, c'est la marque Cottage. Et j'ai regardé pour voir s'il y avait des formats enfin, testeurs, hein, c'est-à-dire un peu plus bas, c'est-à-dire les 250 ml au lieu des. Je suis en train de chercher. Bah merde! Il est où? 750 ml? Hein? Là, c'est le format full size. Donc, c'est. Quand j'ai vu ça, je fais. Oh, je l'avais pas testé lui. Ananas et crème de coco, s'il vous plaît. Ouais. Donc 97% oui c'est ça, d'ingrédients d'origine naturelle. Emballage toujours 100% recyclable. C'est toujours français. C'est douche et bain lait hydratant. Voilà. Donc. J'ai fait après noix de coco. Mais après j'ai dit crème de coco, c'est différent, tu vois. Et j'ai dit ananas et crème de coco. Le mélange peut être divine. Et donc j'ai senti, je suis désolée mais je ressens en magasin bien sûr avant de le prendre. Attends, j'ai le ventilateur là, enfin la tour. Attendez, je cache le super façon de sentir. Alors je sens l'ananas. À première vue, à première vue, je sens l'ananas. Et je sens pas notre coup par contre. Après avoir. Sous la douche! J'ai pris. Alors, est-ce que j'ai fait montrer? Non, je crois pas. J'ai pris celui à la vanille pécan que j'avais pas testé encore. Donc, j'ai senti. Mais ça date d'avant. Enfin, d'avant. D'un petit peu. Et j'ai oublié de faire. J'aurais pu le mettre dans le vlog, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai vu à côté, j'ai fait. Bon, ok, c'est de l'huile. C'est une douche en huile, les deux que j'ai pris. Mais j'ai senti les odeurs. Et du coup, j'ai craqué. Mais ils sont moins. Ah oui, c'est quand même des 560 ml quand même. Donc là, j'ai pris. Douche, alors douche huile extra nourrissante pour peau sèche et sensible. En plus c'est mon profil. Au monoï s'il vous plaît, au monoï. 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Beauté du Pacifique. Ah, c'est nouveau ça. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Aïe, ah, je me suis pris le bouchon dans les. Oh mais je ressens. Ah, oh, j'ai le nez à moitié bouché, c'est pour ça que je mets du temps à sentir. Ah ouais. Donc, franchement, du coup pour le coup, ça sera la première fois que j'utilise une huile de douche. En tout cas de chez Cottage. Donc j'espère qu'ils sont bien. C'est tout. Après j'ai vu que ce que j'ai pris par contre. À Stokomani. Bon allez. Et du coup j'ai pris. Donc c'est la même chose. Et là c'est à l'huile d'argan. Tout simplement. Beauté d'Orient. Ah bah oui, ok d'accord. Donc le monoï pacifique, normal. Et là dans. Bah oui. Oui, bah oui. Donc voilà. Et Amélie et Carole, je pense à vous. Celui-là, je sais pas si je vais m'aimer. J'ai testé quand même l'huile d'argan. C'est toujours bon. Hein. C'est toujours bon. Bien sûr. Bien sûr, Mélanie, bien sûr. Voilà. Ensuite.
Et là, mon sang a fait qu'un tour quand j'ai vu les masques en tissu. Et là, du coup, je pense à Sylvie. Déjà, j'ai vu ça, je fais ah, en plus, c'était le dernier. Je fais bon, ok, d'accord. C'est de la marque Bioré, du coup, libérez vos pores. Quartz rose plus charbon, peau normale à grasse. Du coup, c'est un masque à l'argile, purifiant et anti-stress. Purifier les pores et déstresser. Oh, putain, je vais être déstressée. Ouais, bah quand tu l'enlèves, par contre, t'es pas du tout déstressée, hein. Oh, non, ça va pas. Donc, testé dermatologiquement, non gras. Bye bye les impuretés. C'était le dernier, donc voilà. J'ai voulu en prendre un deuxième et je fais merde, c'est le dernier. Pour je me comprends, mais voilà. Donc à tester, il y a 50 ml. Du coup, il y a marqué quoi là-haut là? 4 à 4 à 5 ou 4 à 6? 4 à 5 utilisations. Format éco-responsable. Oui, bah oui. Donc, hâte de tester ça. Marqué nouveau en plus, hein, sur le packaging. Alors là, après, j'ai fait. Bon. J'ai vu ça, je fais. Oh, c'est trop mignon! Alors, j'ai vu. Non, mais que je monte pas. J'ai vu ça et ça en premier. Voilà. Mais j'ai vu ça surtout en premier. Celui-ci. J'ai vu la marque Sense. Il y a, après, c'est que la marque Sense. Oui. Sense ou Sense? Je sais pas comment on dit. Parce qu'en plus, je pense que c'est pas français ça, cette marque-là. Je pense hein, que c'est pas français. Non, pas du tout. United Kingdom. Alors, c'est pas du tout. Voilà. Et c'est tellement écrit petit. Non, bah voilà, hein. Non, c'est pas du tout français. Ok. Donc je pense qu'on dit sense. Hein, du coup, à peu près comme ça. Donc, là, j'ai trouvé. Hein, donc je rappelle, c'était toujours à Stokomani, hein, de toute façon. Océanie Kaling. Donc, un face mask. Face mask. Hein, alors, putain, pour faire la traduction, j'ai pas pensé à ça. Enrichi en extrait de pêche. Et donc je pense que lui, il est rafraîchissant. Voilà, refresh. Je pense que c'est rafraîchissant. Voilà, regardez-moi avec le petit truc holographique là. J'adore. Et puis là, du coup, il y a un coquillage. J'allais dire autre chose, mais non, c'est un coquillage. Je trouve, rien que pour le packaging déjà, ils sont forts aussi, hein, c'est pour ça. Voilà. Je me cache. Ah merde, avec mes cheveux. Voilà. Donc voilà. J'ai pris lui. Après, j'ai vu celui-là qui était à côté. Et du coup, là, c'est le Swimming Your Heart Out. Français, super. Alors. Alors là, pour le coup, je sais pas ce que c'est. Enrichi en licorice. En extrait de licorice. C'est quoi licorice? Et du coup, en tout cas, lui, il est revitalisant. Mais licorice. Faudra que je fasse la recherche. Ouais. Faudrait que je fasse la recherche. Du coup. Et là, du coup, c'est une queue de sirène. C'est pas bleu, hein. C'est vert. C'est vert. Vous avez cru. Donc voilà, c'est tout mignon aussi. Voilà. Ensuite, j'ai fouillé un petit peu dans les petites galettes. Et du coup, alors lui, je l'ai pris en dernier. J'ai vu ça, j'ai fait oui, j'ai trop mignon. Pardon. Du coup, c'est toujours la même marque. Hein. C'est Fun Face Sheet Mask. Et là, je te jure que j'ai pensé à toi, Sylvie. Et oui, bien sûr que je vais prendre une photo parce que moi, je trouve ça trop mignon. Et du coup, oh putain. Alors, give the skin a lot of love and a smooth feeling with grapefruit scent. Grapefruit, c'est quoi? Attends, grapefruit. Pamplemousse, non?
Attends, oh putain. Français! Ouais, c'est ça, Pamplemousse. Je suis pas gourée. Regardez comment c'est beau. Enfin, c'est beau, oui, je trouve que c'est beau. Regardez. Bah oui. En fait, j'ai l'impression que c'est une terre. Oui, c'est ça, c'est une terre, en fait. Je suis con. Bah oui, il y a le globe terrestre derrière. Oh, le temps que je mets là. Mais c'est pas grave. Ça va faire durer le bug, c'est tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai vu ça qui était juste derrière lui. Enfin, ce que je viens de vous montrer. Du coup, c'est toujours un fun face que je. C'est simple et c'est un cœur. Give the skin a lot of. C'est la même chose, putain. Oh, là, c'est la fraise. Strawberry, c'est fraise. Hein. Et je triche maintenant. Oui, c'est ça. Oh putain, je suis forte. Je suis forte en anglais. Voilà, regardez le petit cœur. Oui. Petit cœur. C'est trop mignon. Voilà. Et après, je sais pas, j'ai pas voulu le prendre, mais je l'ai pris quand même. Bon, allez, il est là, je le prends. Du coup, en fait, si j'ai bien compris, alors ça, vu que c'est des fun. Voilà. Et ça, il me semble que c'est. Voilà. Et ça, et le dernier, ça va être dans la même collection que ça. Du coup. Là, c'est le long time no-see. Donc c'est enrichi. Oh la vache, c'est quoi ça? Mais de ce que. Ah bah non. Mais c'est quoi? C'est le seaweed. Ah! Ah! Oh non. C'est pas ce que je pense. Oh, j'espère pas. Alors lui, il est hydratant du coup. Voilà. Attendez, 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 attendez. Putain, ah voilà. En quoi? Ah ouf, c'est bon, c'est oh, extrait d'algues. J'avais peur que ça soit de la. C'est con, hein. C'est con, hein, ce que je vais dire. Mais weed pour moi c'est de la drogue, donc voilà. J'avais peur que c'était ça, mais je dis mais attends, c'est pas possible. Donc voilà. Bon Céline, laisse-moi faire ma vidéo. Non, je rigole. Non, parce que Céline qui m'a envoyé un vocal. Ma petite bretonne préférée. Donc voilà. Voilà, j'ai trouvé ça. Après, faut que Oh, j'ai pas regardé les dates. Enfin, je regarderai plus tard pour le coup. Oh putain, mais elle m'envoie que des vocales du coup, Céline. Du coup, je regarderai les dates. J'ai pas fait attention aux dates, j'avoue en plus. Après, ils sont censés regarder. Hein. Mais bon, enfin, je sais que lui, il n'y en a pas de date, du coup. Mais voilà. Donc voilà mon petit haul. Alors du coup, merci d'avoir regardé j'allais dire ce petit vlog, mais il fait déjà 16 minutes rien qu'avec ce haul. Hein. Bref, c'est pas grave. De toute façon, un vlog, c'est un vlog. Bref, merci de l'avoir regardé. À fond la gamelle! La gamelle! On n'est que mardi, j'en peux plus. Mardi 20, j'en peux plus. Oh, demain c'est l'été! Demain c'est l'été. Donc voilà, donc si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit like. Oh, alors! Vous êtes tombé un petit peu! Un petit like, un petit commentaire et un petit abonnement si le cœur vous en dit. Moi, je vous embrasse, je vous aime et on se retrouve normalement, pour la dégusta box puisque j'attends le Vinted, le colis Vinted de Beauty Gold et la dégusta box, c'est tout ce qui me reste. Et la dégusta box cold. Donc je répète, putain, mais je dis au revoir et puis c'est pas fini. C'est tout Beverly en fait, ça, c'est tout moi. J'aime bien parler aussi des fois, puis du bien. Puis partager surtout. Bah merde. Oui, pour la dégusta box cold. Donc froide. Si elle n'est pas rentable comme la première que j'ai prise,
Ciao Bella. Ah ouais, j'ai dit à maman d'ailleurs. Je dis, si elle est pas rentable, c'est Ciao Bella. Elle me fait, oui, t'as raison. Voilà. Ils ont intérêt à ce 1. Voilà. Ça y est, c'est bon, j'ai fini de parler. Hein. Je vous aime, merci.